l'ambassadeur Nikki ici dans notre pays. Et elle est arrivée au bon moment pendant que déjà au niveau de l'opposition, nous avions trouvé un modus vivendi dans le sens de travailler ensemble. Nous avons travaillé ensemble, nous avons réfléchi ensemble, nous avons défendu le même point de vue par rapport à la sortie de la crise de notre pays, parce que nous savons la définir cette crise, et je pense qu'à l'âge d'aujourd'hui, le peuple congolais dans son ensemble peut encore nous redonner confiance pour que nous puissions trouver des solutions. Et la seule solution, les détails, ce serait en contact direct avec la population, mais sinon, tout s'est passé. Est-ce que vous êtes d'accord? Elle dit qu'il n'y a pas d'élection, enfin, elle dit qu'il faut organiser les élections d'ici 2018, mais pas au-delà de 2018. Mais nous avons une constitution, nous avons signé un accord qui a prévu les élections au plus tard décembre 2017. Mais, monsieur, par rapport à sa déclaration, qu'est-ce que vous dites? Nous sommes parfaitement d'accord à ce qu'elle a dit, c'est son point de vue. Nous aussi, nous avons un point de vue commun que nous avons défendu. Et je crois que l'essentiel est celui-là. Merci. Madame est notre porte-parole. Mettez-le de côté, mon ami. On fait un boulot ici, c'est quoi ça? Tu as un gars de quoi? C'est quoi ça? Le plus important, c'est que si tu votes, tu as un gars de quoi?